Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Souris au micro. Et donc, petite série de VOD Hearthstone pour les débutants cette fois-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de VOD sur la Jabola TV, mais c'est bon, je suis de retour, après les fêtes de Noël, etc. etc. D'autres petits trucs à régler, on est parti pour vraiment délirer ensemble, et j'espère que ça vous plaira. Bon, alors, là par contre, on va pas vraiment délirer, puisque ce sera vraiment pour expliquer aux débutants la liste des cartes, en fait, par classe. Donc on va commencer tout simplement par la première qui est druide, hein, tout en haut à gauche. Et puis je ferai une autre VOD sur Hunt, Mage, Paladin, etc. etc. Hein. Donc, bah, on va commencer tout de suite. On va faire un petit peu le point sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. etc. Et on va vous présenter un peu les cartes. Donc, on va commencer par Innervate. Donc, Innervation en français. Vous gagnez 2 cristals de mana ce tour-ci seulement pour 0. Alors, au début du metagame, ce n'était pas très bien. Ensuite, en ce moment, c'est plutôt pas mal. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que cette carte est bien suivant le metagame. Donc, un coup, elle va être bien, un coup, elle va pas être bien. Actuellement, au vu du metagame ultra aggro, la part des Hunt par exemple, donc des chasseurs qui vont vous poser beaucoup de cartes charge. Cette carte est géniale parce qu'elle va vous permettre en fait au deuxième ou troisième tour, donc deuxième si vous avez la pièce hein, au tout début, donc quand vous ne commencez pas vous avez une pièce, cette pièce en fait vous donne un cristal de mana ce tour-ci. Donc, pareil que Innervate, sauf qu'en fait bah, Innervate c'est deux. Donc si jamais vous avez la pièce et Innervate, au tour 2, vous allez pouvoir poser donc une carte qui freine vraiment le deck Hunt, cette carte ici. On va revenir après pourquoi elle freine Hunt. Donc, cette carte est pas mauvaise, elle est pas exceptionnelle, mais elle va être très forte suivant le metagame ou non. Moonfire, c'est nul. Deal 1 damage pour faire un point de dégâts pour 0. Autant vous dire que ça ne tue strictement rien. Et je ne vois pas comment la jouer cette carte. Hein. Il y a certaines cartes qui sont nulles mais qui ont un potentiel avec d'autres trucs. Là, à part pour aller chercher Maligos et non, en fait c'est nul. Claw, c'est une carte assez bonne. Mais pareil, ça sera une carte qui va être jouée suivant le metagame. Donc cette carte en ce moment est plutôt jouée à cause des jeux aggro. Est-ce qu'elle est jouée en temps normal ou en un exemplaire? Je ne pense pas. Bon, elle est pas mauvaise, hein. C'est pas une mauvaise carte. Donc en gros, pour un, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, vous donnez plus 2 d'attaque à un héros et 2 d'armure. Donc ce qui vous permet de... En gros, pour 1, aller défoncer n'importe quelle bête du début de partie. Naturalisation. Vous détruisez un minion et votre adversaire pioche 2 cartes. Alors, cette carte est très mauvaise. Parce qu'en gros, dans mes prochaines VOD, je vais vous expliquer un petit peu le système de card advantage. Là, ce qui se passe, c'est que pour une carte, vous détruisez une carte... Et vous en donnez 2 à votre adversaire. Donc en fait, cette carte vous fait faire du moins 2 en card advantage. En gros, ce qui se passe, c'est que quand vous jouez des cartes, il va falloir que vous essayiez de les rentabiliser un maximum. En gros, le meilleur moyen de rentabiliser une carte, c'est que quand vous la jouez, vous faites au minimum 2 échanges avec, ou vous tuez 2 cartes adverses avec. Là, cette fois-ci, avec cette carte, vous lui détruisez une carte, donc c'est du 1 point, puis vous lui donnez 2 cartes, donc en fait c'est du... Bah du... 1 pour 3, en... enfin c'est pas du... C'est pas du 3, c'est trop du 3 pour 1 on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment pas terrible. Peut-être qu'après, cette carte peut être jouée dans certains decks. Par exemple, à base de Murloc, et on va, vas-y que je te meule, etc. etc. Mais j'y crois pas trop, hein. Savagery, donc ici on va pas très bien... J'espère que si on voit quand même un petit peu. Vous mettez des damages égal à l'attaque de votre héros à un minion. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir jouer morsure, claw. Je sais pas, non c'est pas claw, c'est pas morsure, c'est griffe. J'ai des bêtises. Il va falloir jouer la morsure, donc ici.
qui donne plus 4 d'attaque, et en fait c'est une carte à combo en gros, on va dire ça comme ça. En gros, c'est pas terrible, parce qu'il va falloir, absolument une deuxième carte pour pouvoir l'activer. Maintenant, si jamais vous souhaitez la jouer, il va falloir absolument jouer la griffe et la morsure. Plus Savage Roar, donc je connais pas le nom en français de cette carte. Ce qui va vous permettre en fait de faire des combos, de peut-être pouvoir gérer des cartes beaucoup plus facilement. Mais dans tous les cas, il va falloir donc que vous jouez au moins ces trois cartes supplémentaires avec ça. Ce qui commence déjà à alourdir le jeu, et ce qui n'est pas forcément très bien. Marque of the Wild, marque de la nature. Vous donnez Taunt et +2/+2 à un minion. Bon, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel. Je pense que actuellement, cette carte n'est pas jouée parce qu'il y a vraiment mieux en druide à mettre. Sinon, donner +2/+2 Taunt, c'est pas mauvais dans en soi. Hein, ça peut faire un bon échange sur une carte. Et contre Chasseur par exemple, ça peut freiner son attaque. C'est pas mauvais, mais je pense qu'il y a vraiment d'autres choses mieux à mettre. Ici, puissance de la nature. Je pense que c'est ça le nom en français. Wild, c'est sauvage, mais ça peut être aussi nature. Enfin, ça dépend. Alors, cette carte, ça vous permet de soit donner +1/+1 à tous vos minions, donc à tous vos serviteurs, soit invoquer une 3-2. C'est une carte très polyvalente. Cette carte, en gros, ça vous annonce la couleur de druide. Hein. En fait, druide, c'est une classe qui est extrêmement polyvalente. D'un côté, vous allez pouvoir faire un truc, ou de l'autre côté, vous allez pouvoir faire autre chose. Donc la quasi-totalité des cartes druides qui sont excellentes le font. Donc voilà. Cette carte, donc soit ça vous met un 3-2, soit ça vous met +1/+1 tous vos minions. C'est pas une mauvaise carte non plus. Voilà, bon, il y a mieux à mettre. Il y a mieux à mettre. Alors, la croissance. Donc ici, c'est que vous gagnez un mana supplémentaire, un cristal de mana supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors imaginons que vous êtes tour 2, vous jouez cette carte. Donc ça veut dire que vous gagnez un mana vide, hein, empty, donc c'est vide, un cristal de mana supplémentaire. Donc au tour 2, vous êtes à 2 mana, vous jouez cette carte, vous êtes à 3 mana vide. Donc ce qui veut dire que le tour d'après, vous allez pouvoir jouer un tour 4. Donc voilà ce que ça veut dire. Vous gagnez en fait un cristal de mana permanent. Si par hasard vous avez 10 cristals de mana quand vous jouez cette carte, ça va vous invoquer, ça va pas vous invoquer, mais ça va vous donner en main une carte qui coûte 0 et qui va vous permettre de piocher une carte. Donc en fin de partie, ça peut vous permettre de piocher une carte. En début de partie, ça peut vous permettre de vous accélérer vraiment considérablement. Notez que si jamais vous ne commencez pas, que vous avez cette carte en main de départ avec la pièce, que vous faites coin, donc la pièce, cristal de mana, au tour 2, vous allez pouvoir jouer vos tours 3. Au tour 3, vous allez pouvoir jouer vos tours 4. En gros, vous rattrapez, vous passez au-dessus de votre adversaire en termes de potentiel des cartes jouées. Tac, la colère. Donc colère, c'est une excellente carte qui à mon sens doit être jouée dans tous les jeux druides, et je pense qu'elle est jouée dans tous les jeux druides tellement elle est forte. Pour 2, soit vous mettez 3 à un minion, soit vous mettez 1 damage quelque part et vous piochez une carte. Donc en gros vous pouvez mettre 1 damage sur votre adversaire, hein, c'est pas précisé. Vous pouvez donc piocher une carte, donc en gros pour 2 vous cyclez, donc pour ceux qui connaissent Magic, hein, la capacité cycle, recyclage, en gros ce qui vous permet de recycler une carte, soit peut-être en détruisant une carte adverse, soit en mettant un dommage quelque part, ou alors de l'autre côté vous mettez 3, donc qui peut gérer vraiment n'importe quelle bête en début de partie. La colère, elle est vraiment très très bien. Healing Touch, donc le toucher guérisseur. Cette carte au début je l'aimais pas, maintenant je l'aime bien, mais c'est une carte en gros, bon, vous la jouez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste vous heal de 8, bon 8, ok c'est pas mal, hein. Ça représente presque un tiers des points de vie de votre héros, mais voilà, c'est une carte on va dire
qui, pareil que les certaines autres cartes, se joue en fonction du metagame. Si vous prenez beaucoup de jeux aggro, jouer Link Touch, c'est vraiment bien parce que ça vous permet de vraiment de les freiner. Et en gros, comme les jeux sont all-in, donc ce qui veut dire qu'en gros ils tentent tout pour le tout dès le début, et ben bim, hein, ils vont prendre vraiment un sale coup en jouant, enfin quand vous allez jouer cette carte, puisque 8 points de dégâts qu'il faut faire en plus. Bon, à part si il a certaines combos en mode totalement craqué, c'est vraiment cheaté et il va pas pouvoir en fait revenir dans la game. Donc voilà, donc c'est une carte qui va se jouer suivant le metagame. Hein. Ici donc marque de la nature. Soit vous donnez plus 4 d'attaque, soit plus 4 de vie et taunt. Pareil, cette carte est pas mauvaise, vous avez le choix entre deux bonnes capas. Maintenant, je pense qu'il y a mieux à mettre. Tout simplement dans les jeux druides actuellement. Peut-être que si le mécanisme change encore, ça peut avoir sa place. Mais voilà, donc c'est pas non plus exclure, c'est pas ultra bon, c'est pas mauvais, mais il y a mieux à mettre. Savage Roar, donc vous donnez plus d'attaque à tous vos caractères. Donc caractère, personnage en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, toutes vos cartes, minions et héros compris, vont gagner plus de d'attaque ce tour. Alors c'est vraiment très bien dans des jeux ultra agressifs, sinon ça n'a pas du tout sa place. Donc voilà, en gros, faut jouer agressif, ou faut jouer Savagery en combo, mais bon, c'est pas terrible. Mais voilà. Donc ça peut être possible de la jouer, mais dans des jeux bien spécifiques. Sinon, c'est pas très fort. Morsure, donc pareil, plus 4 d'attaque et plus 4 d'armure. Bon, par contre, cette carte, je ne pense pas qu'elle sera jouée, puisqu'elle est pas terrible. Hein. Ça fait vraiment rien. Vous allez tuer une bête, ça fait office d'anti-bête. Mais bon, il y a bien mieux comme carte à mettre, elle est pas très forte, cette carte. Pareil, cette commune-là n'est vraiment pas très forte. Vous donnez donc Death Rattle. Donc Death Rattle, pour ceux qui ne savent pas, je sais pas si... non, il n'y a pas de petit texte. En gros, quand la carte meurt, ça va vous faire l'effet qu'il y a après les deux points. Donc en gros, vous donnez à vos minions donc l'effet, ça, cet effet-là. Donc ce qui veut dire que quand vos serviteurs vont mourir, ils vont invoquer des 2-2 Treant. Je sais pas du tout le nom français du Treant, mais voilà, bon, c'est ça, hein, c'est un petit arbre, ou un gros arbre, hein, comme vous voulez. Donc, voilà, cette carte est vraiment nulle. Voilà, je pense que on n'en reviendra pas dessus. Ne la piquez pas en arène, ne la jouez pas, cette carte est nulle. Swipe, le meilleur anti-bête druide. Alors vous avez Vrass au deuxième tour, au tour 4, donc swipe, balayage, en français, hein. Donc ça met 4 damage quelque part, plus 1 damage à tous les autres ennemis. Donc héros compris. Donc ça veut dire que soit vous pouvez cibler une bête, donc un minion adverse, vous lui mettez 4, vous mettez 1 damage à tous les autres minions, plus le héros adverse, soit vous mettez 4 damage sur le héros adverse, plus 1 damage sur tous les minions. Donc faut savoir qu'on peut le jouer donc comme finisher sur l'adversaire, on peut le jouer donc sur l'adversaire pour pouvoir tuer toutes les bêtes qui ont 1 d'endurance. Donc cette carte est vraiment très polyvalente, elle est vraiment exceptionnelle, elle permet vraiment de gérer un board assez facilement. Alors en plus si vous avez des cartes spell power, bon, il y a qu'une carte spell power, donc spell power pour vous montrer un petit peu, comme ça je vous montrerai en même temps la carte qui est jouée. Spell damage. Donc je dis spell power mais c'est spell damage plus 1. Ce qui veut dire qu'en gros ça va augmenter les damages de votre sort d'un point en fait. Donc pour 4 vous mettez 5 plus 2 à tout le monde. Là ce qui là devient relativement fort. Bon le Bloodmage Thanos je vous la présenterai plus tard, mais en gros c'est la seule carte à spell damage qui est vraiment jouée dans Druid. Donc on va revenir ici. Tac, ça on a fait. Donc voilà, exceptionnel. Ici Keeper of the Grove, pareil, carte exceptionnelle. Vous avez le choix entre deux choses, silence un minion ou mettre 2 damage. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les 2 damage peut aussi se mettre sur l'adversaire, hein. Vous pouvez choisir n'importe quel minion. Et surtout vous avez le choix aussi de silence. Donc c'est 2 4 pour 4 qui silence
ou qui met deux quelque part. Extrêmement polyvalent, c'est très très bonne carte. Alors Nourish, c'est pas une carte qui est extrêmement jouée, puisque bah, les jeux rampes... Bon, je vais expliquer un peu hein, ce que c'est les jeux rampes juste après, mais les jeux rampes ne sont pas extrêmement joués. Soit vous gagnez 2 cristals de mana, soit vous piochez 3 cartes. C'est pas une mauvaise carte, ça peut être inclus dans certains jeux. Pour ceux qui savent pas les jeux rampes, en gros, les jeux rampes ont pour but de s'accélérer un maximum au niveau des cristals de mana pour pouvoir jouer des grosses bêtes. Voilà. Voilà en gros le système. Donc en gros, si vous jouez un jeu rampe, un druide rampe, il va falloir jouer donc Wild Growth et Nourish, qui va vous permettre en fait de vraiment vous accélérer au niveau de... De vos cristals de mana qui vont permettre de jouer vraiment des gros tons assez rapidement. Bon, cette carte est pas exceptionnelle. Elle est pas jouée en temps normal parce que bon, bah, 5 c'est beaucoup trop cher et que finalement pour piocher 3 cartes, bah, il y a d'autres cartes qui font des choses mieux finalement. Si elle est jouée dans un jeu ramp, pourquoi pas, mais sinon elle a pas sa place. Starfall, un très bon anti-bête, enfin un très bon, pas très bon, mais un bon anti-bête, on va dire ça comme ça, qui met 5 damage à un minion ou 2 à tout le monde. Ça coûte assez cher. Certaines versions de Druid en jouent un, d'autres en jouent pas du tout. Ça vous de voir, hein. Si vous pensez que vous avez besoin d'un anti-bête supplémentaire qui peut vraiment faire gros dégâts, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas exceptionnel, mais certains decks en ont besoin. Voilà. Alors, Druid of the Claw, exceptionnelle carte qui va vous permettre vraiment de... Pour 5, vous avez le choix entre une 4-4 taunt, une 4-6 taunt ou une 4-4 charge. Alors soit vous allez pouvoir gérer un truc qui vous emmerde assez, assez fortement depuis quelques tours, soit vous allez pouvoir temporiser sur la table ou poser un ton en fait finalement, un 4-6, un 4-6 taunt. Si votre adversaire joue aggro, bah, il a perdu. Voilà, il va devoir utiliser 3, 4, 5 cartes pour pouvoir gérer votre carte. Et il a perdu en gros. Voilà, donc c'est une carte vraiment exceptionnelle qu'il faut jouer dans tous les jeux Druid. Et voilà, il n'y a pas d'autre mot. Jouez-la, testez-la et vous allez voir. Force de la nature, ça se mène 3-2-2 avec charge, qui meurt à la fin du tour. Pour 6, c'est trop cher, c'est nul. Voilà, je passe pas plus vite que ça. Pour 6, mettez 5 damage et piochez une carte. En soi, c'est pas mauvais. Mais, bon, c'est un peu trop cher. 6 pour mettre 5, piocher une carte, je trouve ça un peu trop cher. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui en jouent 1 à la place de Starfall. Moi, je pense que Starfall est quand même meilleur. Hein, parce qu'il est plus polyvalent et coûte un point le moins cher. Ancien du savoir, Ancient of the Lore. Piocher 2 cartes ou restaure 5 points de vie. Tout simplement, l'un des deux tours 7 de druid est l'une des meilleures cartes druid qui va vous permettre en fait de soit piocher 2 cartes suivant la situation. Si vous êtes vraiment bien dans la game, vous allez pouvoir avancer dans votre jeu. Soit vous allez pouvoir gagner 5 points de vie donc contre les jeux aggro. Si jamais vous avez réussi à stabiliser la table avec le druid of the claw, donc avec un taunt, hein, au tour 7, ça va vraiment vous permettre de gagner un gros second souffle, hein, et de gagner des points de vie pour pouvoir être bien dans la game. L'ancien de la guerre, donc soit vous avez une 5-10 taunt, soit vous avez une 10-5 pour 7. Alors cette carte est de moins en moins jouée, parce qu'en fait, bon, c'est le metagame. Cette carte, si plus tard le metagame... commence à retirer les cartes, enfin les jeux en fait, commence à retirer les cartes anti-taunt par exemple, et bien cette carte va revenir tout simplement parce que une 5-10 taunt pour 7 c'est tout simplement énorme, et une 10-5 dans certains cas peut vous permettre de gagner la partie sans aucun problème. Alors pourquoi en fait cette carte actuellement n'est pas jouée, c'est une excellente carte, hein, mais si elle n'est pas jouée, c'est tout simplement à cause du chevalier noir, on va dire ça comme ça, bah, entre autres, hein, The Black Knight, ici. Donc, en gros, quand ça arrive en jeu, pour 6, vous détruisez un taunt.
Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si jamais vous la mettez en 5-10 taunt, bah vous jouez le The Black Knight et elle est totalement détruite directement. Donc en gros, c'est pour ça, c'est que tous les jeux jouent The Black Knight. Et une fois que les jeux commenceront à les retirer, cette carte aura sa place. Voilà. Mais même si à The Black Knight, les gens, certaines personnes continuent à la jouer, c'est vraiment une carte assez forte. Pour la gérer, si vous n'avez pas d'antibête direct, vous allez galérer. Voilà. Ironbark Protector, une 8-8 pour 8. Bon, en soi, c'est pas mauvais. Mais je pense qu'au niveau du late game, l'ancien de la guerre, l'ancien of the lore, entre Ragnaros, toutes les légendaires qui sont à côté, bah, c'est quand même bien mieux. Hein. C'est pas mauvais, mais le reste est quand même bien mieux. Ici, Scenarius, donc la légendaire druide, et on va s'arrêter juste après hein, sur cette carte. Donc, qu'est-ce que ça fait? Pareil que les grosses cartes druides, ça vous permet de choisir entre deux effets. Soit ça donne +2/+2 à tous vos minions, donc à tous vos serviteurs. Soit ça donne soit ça vous met deux tréantes avec taunt, donc avec provocation sur le terrain, donc des 2-2. Donc soit vous avez besoin de vous défendre, soit vous avez besoin de finir votre adversaire, mais dans tous les cas, cette carte est assez polyvalente, une 5-8 pour 9, ça a assez de patates pour détruire quasiment toutes les bêtes du jeu, enfin quasiment, à part les golems, les trucs beaucoup d'endurance, mais voilà, toutes les cartes qui sont jouées dans, on va dire 95% des cartes dans les decks qui sont jouées, cette carte peut permettre de la détruire, de rester en vie et d'en détruire 3-4 en plus d'avoir un autre effet à côté. Donc ce qui est plutôt pas mal. Je vais juste revenir un petit peu vite fait avant de terminer cette vidéo. Les cartes que vous pouvez pick en arène qui sont vachement bien. Donc Innervate, vous pouvez pick en arène, ça peut permettre de gagner la game directement. Posez, je sais pas, vous avez un Yeti, un truc... bon, je vais montrer un Yeti vite fait. Tac, alors Yeti, t'es où? Non, t'es avant. Là, ici. Vous avez un Yeti par exemple, que vous allez réussir à jouer soit tour 1, soit tour 2. C'est vraiment bien. Donc, Innervate, piquez là en arène. Ça, c'est nul, ne la piquez pas en arène. Ça, c'est super bien. Faut la prendre en arène. C'est un anti-bête. Ça, c'est nul, ne la piquez pas en arène. C'est nul, vraiment nul. Vous la bannissez de. Cette carte n'existe plus pour vous. Hein. Faut l'oublier. Cette carte c'est pareil, n'existe pas en arène, vous la piquez pas. Cette carte peut être pas mal, pareil aussi. Ça c'est pas terrible en arène. Wild Growth. Colère, c'est bon dans tous les formats. Healing Touch, c'est pas terrible en arène. Mais si vous avez pas le choix, que vous avez vraiment deux cartes mauvaises à côté, bah piquez là, mais évitez de la pique. Marque de la nature, ça peut être très fort. Donc vous pouvez la pique, hein, +4 de vie taunt pour 3, c'est assez ouf. Savage Roar, ne la piquez pas. Morsure, vous pouvez la pique, hein, ça peut vous permettre de faire un anti-bet. Mais cette carte est bonne seulement en arène. Ça c'est nul. Vous la bannissez pareil que Naturalize. Vous la bannissez, cette carte n'existe pas pour vous. Swipe, oui, piquez-la, et même prioritairement sur tout et n'importe quoi. Keeper of the Grove, pareil. Nourish, bof. C'est pas terrible. Starfall, il faut absolument la pique aussi dès que vous avez la possibilité. Le druide, pareil. Force de la nature. En arène, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de faire des trades. Maintenant, faut voir les autres épiques que vous avez à côté. Hein. Mais ça peut être un pic. Faut voir maintenant les autres épiques. Ici, Starfire, bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas super hein, en arène. Ancien du savoir, pareil, c'est pas exceptionnel, simplement parce qu'en gros, soit vous gagnez 5 points de vie, soit vous piochez 2 cartes. Les 2 cartes peuvent être pas forcément super bien. Donc c'est pas exceptionnel, c'est une très bonne carte en construit, mais pas forcément. Donc en arène. L'ancien par contre, Off War, est vraiment très bien en arène, piquez là. L'Iron Bar Protector, pareil, piquez là. Et Scenarius, ça peut être plutôt pas mal. Faut voir après les autres légendaires que vous avez à côté. Bon, si vous avez un Ragnaros à côté ou des trucs comme ça, bon bah. Voilà, vous allez piquer Ragnaros parce que Ragnaros est quand même meilleur. Pour ceux qui connaissent pas Ragnaros, on va direct aller dessus. Donc ça c'est Izera. Et ça c'est Ragnaros. Donc. Il peut pas attaquer, mais à la fin du tour, il met 8 de dégâts.
de manière aléatoire sur un ennemi. Donc en gros, ça met 8 de dégâts, donc si jamais il n'y a pas de bête, ça lui met 8 de dégâts. Lui. Voilà, bon, pour faire court. Donc voilà pour un petit peu les cartes. Je vais faire cette VOD de ce type pour toutes les classes et pour les cartes neutres. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu, pour ceux qui débutent, connaître un petit peu les cartes, connaître un petit peu ce qu'il faut récupérer ou pas, prendre le bon chemin, etc. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, ciao tout le monde, et puis ben tout de suite ou à tout à l'heure. Suivant, quand est-ce que vous allez regarder les autres VOD pour une autre VOD qui sera Hunt, très certainement la prochaine. Ciao ciao.